Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes deux combats où j'ai soumis mes adversaires à l'ADCC Open de São Paulo qui s'est déroulé le week-end passé. En total, j'ai fait 5 combats. Donc, j'ai eu une défaite au deuxième tour de la catégorie adulte et j'ai gagné la catégorie master en gagnant 3 combats. J'ai finalisé mon premier combat dans la catégorie adulte et mon premier combat dans la catégorie master. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous partager les deux combats. De ces deux premiers combats, du coup, où j'ai finalisé mes adversaires, car comme c'était un peu rapide, je vais pas vous mettre une vidéo de juste une minute. Juste une très rapide, donc j'ai combattu en moins de 76 kilos. Qu'est-ce que c'est la DCC Open? Pour pas que vous croyez, oh là, mais il a regagné la DCC, mais c'est incroyable! Non, alors la DCC aujourd'hui organise des Open un peu partout dans le monde, qui sont des Open, donc c'est-à-dire n'importe qui peut y aller, s'inscrire, et s'inscrire dans la catégorie de niveau qu'il veut, de poids, d'âge, en fonction de l'âge qu'il a, bien sûr. Master, c'est les plus de 35 ans seulement. Seulement. Ou je ne sais pas si c'est ça le mot dire exactement. Voilà, plus de 35 ans, et c'est tous ensemble pour l'instant. Après, je pense qu'avec le temps, ils vont faire plus de 30, plus de 35, plus de 40, comme les autres y font. Mais bon, pour l'instant, c'est plus de 35 ans. Et en fait, tout le monde peut participer, et puis il n'y a rien à gagner à la clé, hein. Une médaille, voilà. Une médaille, une photo sur le podium, beau gosse, et puis voilà. Après, à côté de ça, la DCC donc, organise aussi des sélections pour participer à ces championnats du monde. Et donc les sélections, c'était pas là. Les sélections, c'est il y en a deux par continent. Donc ils en font deux en Europe, qui sont pour l'Europe et l'Afrique. Vous avez deux en Asie, deux Amérique du Nord et deux Amérique du Sud, Amérique latine. Voilà. Mais ça, c'est pas tout de suite. Ça vient juste de se terminer la DCC mondiale. Donc ce sera que plus tard. Qui aura les sélections ADCC. Donc voilà. Donc c'est pas mal de faire des open pour pouvoir préparer ces sélections du mieux qu'on peut. N'hésitez pas, dans la description, il y a plein de cadeaux pour vous. Et puis, bon fight à vous. Au ça! Caio na mesa central. Caio jogurado na mesa central. Agora vem com a central, calma. Trava bem, ó. Ultimada se der. Trava bem, ultimada se conseguir. Então bota só o pé no chão forte. Ou pisa forte no chão e bota o pé no chão. Kanibasami também entra aí, guilhotina, Kanibasami. Guilhotina, Kanibasami. Aê, tá na sua, aê. Aê, já era, Nico, já era. Já era.